hungry. Down my one desire, I feel to rain fire. Bienvenue au Salon de chansons Via Country. C'est le fun de se retrouver comme ça à chaque année. Comment ça va, Patricia? Ça va super bien. Et toi-même? Oui, ça va très bien. C'est une bonne idée que tu as eue, hein? Acoustique comme ça, là. Bien, sais-tu, on se retrouve souvent, hein, Sylvain, après les festivals, comme ça, à jammer toute la gang. Dans l'âge, puis hein, partout. Pourquoi pas montrer ça aux gens, comment ça se passe. Alors, c'est ça. Très bonne idée. Sylvain Lamotte? Oui, Patricia. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être avec nous encore cette année. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Surtout faire le party flat. Il fait partie de la famille, Sylvain. Oui, oui. Il fait partie un peu des gens qui connaissent. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu qu'une guitare. Ça fait drôle. Sylvain qui travaille sans bon sens. Oui. Ça va bien. Ouais. Bien chanceux, ça va se passer super bien. Continuez de faire la tournée des festivals, accompagner tout le monde. Puis vous avez vos spectacles, vous aussi, le groupe Sildan. Ça va bien. Un peu, oui. Super bien, je suis bien content. Steve, t'as troqué ta guitare, t'as troqué ta pelle pour une guitare. Bien sûr, tel un bon vieux meuble, je suis de retour avec vous autres. Le bon vieux meuble. Je trouve que j'ai troqué ça pour une pelle 16. Une pelle 16. C'est bon. Et notre invité, M. Denis Boudreau. Les îles de Madeleine. Ben oui, Denis. On est content de t'avoir avec nous autres, surtout pour l'acoustique, je te dirais. Ah, ben, j'aime bien ça. Moi, des petits guides de même acoustique, là, c'est pas le fun, j'aime bien ça. Toi, c'est pour l'acoustique, moi, pour son langage. C'est vrai, hein? Les gars des îles, hein? c'est vrai que c'est particulier. On a tout un accent? J'adore ça. J'adore ça. On a tout un accent, nous autres? L'accent, hein? L'accent. Tout le monde trouve ça cute. Les femmes aiment ça. Je l'apprends ton accent. Faut écrire ça sur une feuille. Là. La prochaine chanson que tu vas nous faire se retrouve sur un de tes albums. Mon premier album que j'ai fait entre terre et mer, qui s'appelle une pièce que j'ai reprise de Jean-Paul Cormier, Les îles de Madeleine, qui s'appelle Je voudrais les îles Madelino. On t'écoute, Denis. On va faire ça. Au revoir. Mmh.
Moi, mes parents m'ont toujours dit, l'île la Madeleine, c'est le paradis. Soleil le jour et la pluie la nuit. Là-bas, mes parents ont beaucoup d'amis. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser via le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Ils ont dû quitter ce beau coin du tas, pas de banglais, mais à cause de la guerre. Quand ils vous en parlent, ça le fait pleurer. Pour leur consoler, je me dois de chanter. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser via le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Je rêve un jour d'aller visiter ce bon coin de terre que mon père m'a laissé. Je ne pourrai pas y aller par bateau. Quand vous savez, je suis malade sur l'eau. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser via le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser via le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Pour traverser via le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Sylvain, t'avais raison, Sylvain, t'avais raison. Merci, Denis, c'était excellent. C'était excellent. Merci, merci. Belle version, hein? Acoustique comme ça avec les voix. C'est fun, vraiment. Comment attends, Denis, que tu fais de la musique comme ça? J'avais l'air d'avoir entendu une petite discussion que je faisais un petit bout. Vous vous connaissiez de quoi, ouais, Sylvain? Oui, Sylvain. Sylvain, on s'est connu aux îles. Il avait mis aux îles les années 86, 87, dedans, quelque chose de même. Il était allé pour accompagner quelques, des artistes. Oui, il était avec un groupe. Avec Caroline King dans le temps. Caroline King, c'est ça, oui. Ouais. C'est là qu'on s'est connu. Puis, on a tout gardé contact. Mais donné, je l'ai perdu de vue une dizaine d'années, je pense. On s'est perdu de vue. Puis, quand j'ai fait mes premiers albums, puis là, on a fait. Mais tu as toujours continué à faire de la musique? Oui, j'ai jamais arrêté. Ben, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'avais une grosse accident automobile, puis à peu près un an et demi, à peu près, puis je continue par après. Puis, OK. Vous êtes une grosse famille chez vous, hein, je pense. Famille de 17 enfants. 12 gars, 5 filles. Il n'y avait pas le câble là-bas. 17 4, enfants. Ouais, 17 enfants. 12 gars, 5 filles. Ouais. T'es le con. T'es le con. T'es... Moi, je suis le. Ben, chez nous, on marque tout par numéro. Je suis le 14e. OK. Ah, c'est bon. Mais là, j'aimerais ça que tu nous fasses une petite chanson de... Oui, il faut faire une tonne de Paul Darèche. Oui. J'aime bien gros, c'est Paul Darèche, la famille Darèche. J'ai commencé à écouter Julie Darèche, j'avais peut-être 5-6 ans. Tu sais. Oh. C'est fort, aux îles de Madeleine, les Darèche. Ça te rajeunit pas. Bon. Puis, il faut prendre une tonne de Paul Darèche qui s'appelle « T'envoler ». Une version style Bourgoire aussi. Qui a été faite par Paul Hébert. Paul Hébert, oui, ouais, dans ce style-là. Oui, on va s'amuser avec ça. J'entends le vent qui murmure le son de ton nom.
raison. Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Debout en silence, je te voyais t'envoler. Merci.